Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 8h25. Quelles sont les dernières informations que nous avons, mon cher Benjamin Glaise, sur la visite de Kylian Mbappé en Suède, le petit séjour? Donc Kylian Mbappé visé dans une enquête pour viol en Suède, c'est ce qui affirme plusieurs médias suédois. L'attaquant... Deux journaux qui sont, rappelons-le, des tabloïdes. Les faits. Oui. Hier, un premier tabloïd suédois affirme qu'une plainte a été déposée pour viol présumé. À cette heure-là, aucun lien n'est fait entre Kylian Mbappé et cette affaire, si ce n'est que ce viol aurait eu lieu dans l'hôtel où le joueur résidait. Sur ce, un second tabloïd suédois déclare cette fois-ci qu'une enquête a été ouverte dans laquelle figure le nom de Kylian Mbappé. La rumeur prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. L'attaquant dénonce une fake news sur Twitter avant d'ajouter « ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard ». Référence ici à l'audience est prévue aujourd'hui devant la Ligue dans le conflit qu'il oppose au Paris Saint-Germain. En gros, Kylian Mbappé semble accuser son ancien club d'être à l'origine de cette rumeur. Réaction immédiate du Paris Saint-Germain qui dit que ce message est une honte. Dernier épisode à ce jour, un communiqué du clan Mbappé. Cette fois-ci, il prévient que toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée. J'ai oublié une réaction, tenez, celle de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, qui a été interpellé à ce sujet par un journaliste hier soir en conférence de presse d'après-match. Je sais pas, ça sort un fond, un tox, je vais pas dire que je sais pas, mais c'est pas une bonne chose pour l'équipe de France. Bon. Je termine, contacté par l'AFP, la police de Stockholm n'a souhaité ni confirmer ni infirmer les informations données par ces deux tabloïdes suédois. Oui, ça veut dire que la police de Stockholm enquête. Ouais, c'est vrai que cette affirmation, moi je suis très gêné par cette affaire, je trouve que ça ressemble effectivement un peu à une cabane, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans cet hôtel, je ne sais pas s'il y a un lien. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a une vraie ferme à trolls du Qatar. Je ne dis pas que la défense, je ne dis pas que la défense de Kylian Mbappé suffira. Mais quand il dit, comme par hasard, c'est aujourd'hui, il demande 55 millions d'euros pour non-respect. Et ce que je sais, et ça, il faut vraiment l'entendre, et tous les journalistes sportifs le savent, la ferme à trolls du Qatar, elle est redoutable. C'est-à-dire que cette information a été diffusée, elle est devenue virale, en François, fait. Non il y a seulement une réunion la ferme à trolls du Qatar, mais les complicités du Qatar avec de très nombreux journalistes. Je m'excuse, mais un jour, on le balancera. Il y a des journalistes qui feraient bien de se regarder dans un miroir. Je suis d'accord, on les balancera un jour à l'antenne, on les connaît très bien, c'est pas la peine de donner les noms. En revanche, il y a ça, et il y a vraiment cette... apparemment, il y a eu une réunion de crise cette nuit au Real, parce que le Real est très sensible à son image. Évidemment. Voilà. Alors d'abord, vous pouvez pas dire la phrase « on les balancera à l'antenne », on en informera nos auditeurs quand on aura des preuves. Non mais je suis sérieux. Je suis d'accord. Nous, on n'emploie pas ces mots-là, on balance pas. Et c'est précisément pourquoi je me sors... pour vous taquiner, je sais très bien que vous ne le feriez jamais. Évidemment. Mais pourquoi je commence par ça? Parce que je ne sais évidemment pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. Évidemment pas. Pour ma part, j'ai quand même un peu de mal à imaginer que Kylian Mbappé, qui n'est pas un imbécile, on sort de l'affaire des rugbymen, ce type entre n'importe où dans un bistrot, dans une boîte de nuit ou dans une station-service. Vous avez certainement des femmes et probablement des hommes qui se jettent sur lui parce que c'est une idole. Je ne le vois pas. Mais bon, simplement, je vois que maintenant, ces accusations vont devenir... parce que quand bien même il se serait passé des choses, moi ce que j'aimerais c'est qu'on attende de savoir l'enquête, etc., au lieu de relayer ce qui est pour l'instant des rumeurs, et qui à mon avis, je le donne, moi je pense que c'est un chantier, comme on dit, mais me tromper, évidemment, mais je pense que c'est un chantier. Et ça va devenir, et c'est pour ça, je l'ai dit dès le début, j'ai détesté le mouvement MeToo et son côté totalitaire, d'accord, je ne crois pas qu'il y ait des bons côtés quand on installe la terreur, ça va devenir en plus, sur fond de MeToo, une façon de faire chanter les gens, les puissants, les pas puissants, votre chef de bureau qui vous a refusé une promotion. Et je vous assure, ça peut tomber sur n'importe quel homme. Moi, je ne suis pas d'accord sur vous, sur Elisabeth. On va pas revenir sur MeToo. Mais sur MeToo, c'est très bien. La prudence. J'observe la prudence de la police suédoise. Donc nous observerons la même prudence que la police suédoise. Je suis d'accord avec vous, Jean-Jacques. Vous êtes d'accord avec absolument, moi ? Absolument, absolument, absolument. Mais ils ont peur aussi, c'est normal. Ils ont peur de passer à côté d'un... Tout le monde a peur de passer à côté d'un truc pareil. C'est partout. Il y a partout la même ambiance. Non, c'est l'écosystème, moi, qui me gêne vraiment. Parce que je pense qu'il faut entendre, pas simplement la défense de Mbappé, mais des journalistes
avéré intègre qui rappelle ce matin, qui rappelle effectivement tout le système du Qatar, tout le système de bashing et de capacité à rendre une information virale. Quand vous regardez sur quoi c'est sorti, c'est devenu, Benjamin, je parle sous votre contrôle, c'est devenu... En combien de temps ? Mais en quoi ? En quelques heures ? C'est devenu viral en quelques heures. Mais est-ce que tu ne mets pas Mbappé ? Si moi je mets Mbappé dans un tweet, il ne va pas devenir viral ? Ça dépend ce que tu mets dedans, mais si tu mets Mbappé masqué, enfin voilà. Merci. Vous avez votre avis, et j'en suis persuadé, 0826-300-300, mais pour l'instant, nous n'avons que ces informations-là. Nous ne gardons rien au chaud, hein, je vous le dis. Hein. Nous ne donnons tout ce que nous avons avec prudence et mesure. Il est 8h30, merci d'être avec nous. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc. Laurent.